Je m'appelle Jeanne Dandois et je suis metteuse en scène, je suis actrice et je suis aussi autrice. Je m'appelle Epona Guillaume, je suis comédienne. Je m'appelle Alexandre, je suis comédien. Je serai réalisatrice. Quelque chose où on est en relation avec les autres et on peut raconter des histoires. Je crois que je crée un monde associatif à la campagne. Ce qui m'a plu, c'est qu'on était dans la tête d'un personnage féminin, du début à la fin, et des pensées complètement futiles à traverser en même temps que des pensées très profondes. Toutes ces choses si intimes, banales et en même temps exceptionnelles. Je suis jeune, me pose beaucoup de questions et je cherche aussi à me découvrir. Essayer de renouer avec le vivant, et le vivant qui ne soit pas que sa cellule familiale. Résistance, que ce soit sous masque, que vous soyez 50 ou 600, l'état de résistance, d'aller voir des spectacles faits par des humains pour des humains, est une chose absolument nécessaire. La sincérité. La complicité. Bah, ça doit être drôle. Son expression, s'il a aimé ou pas, ça se voit. Je sais pas si je le regarde ou si je l'écoute, donc c'est l'écoute. C'est pas de l'ordre du regard pour moi, c'est de l'ordre de la sensation. Bravo, monsieur Schnitzer, d'avoir inventé le monologue intérieur. Cette communication de cet intime profond à l'intérieur de soi-même est une chose révolutionnaire. Ok, boomer. J'aurais parlé à mon entourage, à sa mère, à son cousin. C'est des personnes à qui elle aurait pu parler. En grande lâcheté, j'aurais rien fait. Non, moi j'aurais complètement merdé. J'aurais été nulle. N'aie crainte, tu verras, tout se passera bien. T'en fais pas, parce qu'au final, tu t'en fiches. Et moins peur. Ça n'ira pas toujours, mais tu t'en sortiras. Et demain est mieux qu'aujourd'hui. Celui de ne pas répondre à certaines questions. Oui, je suis gourmande, mais bon, c'est complètement un lieu commun. Coupable. Pff, non, je ne me sens pas du tout coupable. J'ai quelques pas de danse que je sais très bien faire. Comme Fred Astaire et Ginger Rogers, quoi. Vous savez, on saute comme ça et... on claque les pieds comme ça. Non, mais il y en a d'autres, je sais pas pourquoi c'est ce truc débile qui me vient. J'en ai d'autres. Moi, je sais faire une fleur avec ma langue. Et là, j'en ai pas. Je sais pas, Miss Jeanne. J'ai jamais pensé à ça. Alors, je déteste ce genre de questions. J'ai pas envie de paraître égocentrique non plus. L'histoire d'un grand homme. C'est bon d'être avec vous. C'est bon de voir des gens. C'est bon de partager une nécessité commune. J'aimerais juste vous faire part que je suis contente d'être dans ce spectacle et que je me rends compte que j'ai beaucoup de chance à mon âge d'être dans ce milieu. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'en prends déjà. J'espère que ça va arriver. Pas mes lunettes, donc c'est un petit peu difficile. Chante-nous une chanson d'amour. Joue-nous une réplique du film culte avec intonation. Luc, je suis ton père. Bon, vous l'avez pas fait celle-là ? You can blame me, try to shame me. But still I care for you. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.